Monsieur le ministre du Développement rural, Monsieur le représentant du ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Monsieur le représentant de Madame la directrice des opérations de la Banque mondiale au Mali, Madame la coordinatrice du PACAM, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les directeurs nationaux, Mesdames et Messieurs les représentants des services techniques, Monsieur le représentant de l'interprofession de la filière banque, Mesdames et Messieurs les représentants des projets et programmes, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, chers invités, bonjour à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole à cette tribune, en mon nom propre, mais aussi et surtout au nom de tous les acteurs de la filière bétail viande du Mali. En effet, l'AHAM Industries est un abattoir moderne qui s'est donné pour objectif d'exporter la viande du Mali. Et cela passe par de nombreuses réalisations, notamment l'organisation de la filière depuis l'amont. Malheureusement, un privé que nous sommes n'a ni les moyens techniques, ni les moyens financiers et ni l'expérience pour organiser toute une filière. Et c'est en cela que l'intervention du PACAM est salutaire et salvatrice pour l'industrie de la viande du Mali. En effet, Monsieur le ministre, le Mali dispose d'un cheptel important, l'un des plus importants de la sous-région. Malgré cela, les acteurs du sous-secteur de l'élevage font partie des couches les plus vulnérables du pays. La raison est le mode d'élevage dans notre pays, qui est essentiellement extensif, avec tous les problèmes que ce mode d'élevage peut entraîner, notamment les conflits entre éleveurs et agriculteurs et plein d'autres difficultés. L'intervention du PACAM, qui a été une véritable innovation, a consisté à financer donc des parcs d'embouche modernes qui ont changé totalement le mode de production des animaux de boucherie. Cela est passé par la réalisation d'infrastructures ultramodernes composées d'étables, de fourrages équipés, de mangeoires, d'abreuvoirs, de magasins et d'une clôture. Alors, l'innovation de ce modèle est que le mode d'élevage que nous connaissons principalement, c'est que les animaux partent chercher leur alimentation au gré des pâturages, de la pluviométrie. Et l'embauche que le PACAM a contribué à mettre en place, notamment dans la région du Kaï, est que cette fois-ci, c'est l'alimentation qui vient aux animaux. Donc, les animaux sont mis dans des parcs d'embauche avec toute l'infrastructure qu'il faut, notamment en eau, l'aliment bétail qui leur est apporté sur place, et donc ce qui évite beaucoup de choses et permet d'augmenter la productivité des animaux que nous avons au Mali. Cela aussi permet de rendre finançables les éleveurs, parce que la difficulté que nous avons dans ce sous-secteur est que les éleveurs, notamment l'activité d'embauche, est très difficilement finançable par les banques. En cela, parce qu'il s'agit de ressources mobiles, les animaux sont mobiles, leur vente, les flux d'argent aussi liés à la vente des animaux sont mobiles, et donc le banquier n'a pas la maîtrise des flux, différents flux, ce qui fait que le banquier a des difficultés à financer l'embauche au Mali. Donc avec cette innovation du PACAM, les infrastructures, les animaux sont fixés, les ressources sont connues, et l'acteur, l'AHAM Industries aussi, est un client qui permet d'absorber les débouchés des producteurs en termes d'animaux. Donc tous les flux sont maîtrisés par le banquier et aujourd'hui, l'activité d'embauche avec ce modèle est finançable. Et nous espérons que d'autres pourront suivre le même exemple dans d'autres régions du Mali de manière à augmenter le financement de l'activité d'embauche. Pour illustration, les activités et les embaucheurs financés par le PACAM, du début à aujourd'hui, les embaucheurs ont pu bénéficier de financements de plus de 1 milliard de francs CFA avec la BNDA. Donc, ceci permet effectivement de changer le mode d'activité de nos éleveurs. Et aussi,
L'un des avantages que nous avons vu dans ce financement, c'est au niveau de l'arme industrie, l'activité que nous menons, la partie industrielle, c'est qu'aujourd'hui, nous avons ambition depuis le début de pouvoir exporter de la viande de qualité du Mali, chose que tous nos gouvernements ont souhaité depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, mais cela passe par un minimum de qualité de la viande que le Mali peut produire et exporter. Nous avons aussi eu comme ambition de fournir la MINUSMA qui est présente au Mali ici avec la viande du Mali. Et cela passe par un minimum de traçabilité des animaux que nous pouvons, dont sont issus la viande que nous pouvons fournir à la MINUSMA. Et j'ai le plaisir de vous informer aujourd'hui que nous sommes en discussion très avancée avec la MINUSMA pour pouvoir réaliser ces souhaits que nous avons voulu avoir dès le début. Monsieur le ministre du Développement Rural, le maître de cérémonie a rêvé d'un PACAM 2. Les acteurs de l'élevage de caille, mais pas seulement de caille, de Sikasso, de Mopti, de Ségou, de Bamako, après leur rêve, se sont réveillés et me demandent de solliciter auprès de votre haute bienveillance un PACAM 2. Donc nous voulons transformer le rêve de toutes ces différentes personnes en réalité et nous comptons sur vous, monsieur le ministre, pour nous aider dans la réalisation de ces rêves. Madame la coordinatrice, Madame Aïdara, ainsi que tous vos collaborateurs que je vois de part et d'autre ici, il y a aussi un message pour vous, un message de la part des éleveurs de caille. Ils vous disent merci, merci et encore merci. Vous avez leur reconnaissance éternelle pour les fourrages, pour les infrastructures, pour la durabilité du modèle que vous avez pu mettre en place, pour les emplois que vous avez contribué à créer dans la région de Caï, et pour qui sait que Caï est une région d'immigration par excellence. Donc il s'agit de centaines, plusieurs centaines d'emplois créés grâce à ce modèle et grâce à vos investissements et votre réalisation. Et aussi, ils vous disent merci pour le milliard de francs CFA de revenus qu'ils ont pu avoir grâce aux infrastructures que vous avez faites et grâce à la vente des animaux issus de ces infrastructures. Donc, merci à vous et merci à M. le ministre, merci à tout le monde.